c'est l'Eldorado de l'horlogerie helvétique. Le luxe en Chine vit au rythme des montres suisses, devenues en moins de 30 ans le symbole de l'élégance, de la richesse et de la réussite. Les plus grandes marques de la Confédération ont pignon sur rue dans les avenues les plus riches de Shanghai ou Pékin. Une petite boutique qui ne paye pas de mine dans le centre de Pékin. L'intérieur, pourtant, recèle des trésors insoupçonnés. Nous sommes chez Monsieur Liu, horloger par passion et inconditionnel des montres suisses. Il leur a dédié toute sa vie, y consacre tout son temps libre. Mais la vraie richesse de cette horlogerie, on la trouve au premier étage, quartier général de l'association de Monsieur Liu. Dis à Xiaofeng de m'amener les Patek Philippe. Vous allez voir ce que vous allez voir, Monsieur Dong. Chaque semaine, Monsieur Liu reçoit ici ses amis. Ils sont hommes d'affaires, entrepreneurs, possèdent chacun une belle fortune et ont fondé tous ensemble le club des amis des montres suisses. Sur la table basse, les pièces de maître se succèdent pour la plus grande joie de ces amoureux de la belle horlogerie. La montre femme, là, elle est vraiment bien. Vraiment bien. Avec des gros diamants. Ouais, des gros, gros diamants. Les montres que s'échangent ces amateurs sont pour la plupart des pièces de collection, des montres anciennes dont les prix peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers de francs. Quand la Chine a lancé sa réforme d'ouverture, on a commencé à pouvoir importer des objets de l'étranger. Et les montres suisses étaient dans la liste des importations autorisées. Elles étaient même parmi les premières. Dans cette liste, la première marque, c'était Rolex. Puis Omega, c'est bien ça. Et à travers ces marques, la Suisse s'est fait connaître en Chine. Mais pas besoin d'être un fin connaisseur de tourbillons rattrapantes et autres complications. La montre suisse en Chine sert avant tout à afficher aux yeux de tous son statut social. Elle se transforme en accessoire indispensable de la réussite. Les Chinois ont une très bonne image des montres suisses, ils les apprécient beaucoup. Et quand vous avez de l'argent, si vous achetez une montre, il faut absolument vous offrir la meilleure. C'est une histoire de prestige. Et pour une montre suisse, les Chinois sont prêts à dépenser sans compter. Pouvoir s'offrir une montre suisse sur un coup de tête, cela paraissait encore irréalisable il y a quelques années, dans une Chine où le salaire moyen ne dépassait pas les quelques milliers de francs par an. Mais les temps changent, l'empire du milieu compte désormais plus d'un million de millionnaires. Un marché phénoménal pour l'horlogerie helvétique. Avoir une montre suisse, c'est vraiment le rêve de la plupart des Chinois. Daniel Wu est le directeur d'une entreprise florissante d'analyse financière. Cet homme d'apparence sage est aussi depuis peu le poil à gratter du pouvoir chinois. Tout cela à cause de sa passion pour les montres suisses. J'adore Rolex, parce que je trouve qu'au niveau de la qualité et de leur technique, leurs montres sont parfaites. Bon, j'aime beaucoup IWC également. En quelques années, Daniel Wu est devenu un connaisseur de ces montres hors de prix et un connaisseur de ceux qui les portent. Banquier, homme d'affaires, mais aussi plus étonnamment fonctionnaire, de quoi faire tiquer le jeune homme. La plupart des fonctionnaires ont un salaire limité. Au niveau local, par exemple, un fonctionnaire touche à peu près 600 francs par mois. Une Rolex toute simple, ça vaut au moins 6000 francs. Alors, bien sûr, s'ils ne mangent pas, s'ils ne boivent pas et s'ils n'achètent rien pendant un an ou deux, ils pourront se payer une montre suisse. Mais sinon, je trouve ça quand même bizarre. Cette bizarrerie intrigue Daniel Wu. Mais c'est à la suite d'une catastrophe ferroviaire que le chef d'entreprise va se muer en justicier des montres. 23 juillet 2011, un terrible accident de train à grande vitesse endeuille la Chine. 40 personnes trouvent la mort, 200 autres sont blessées lors de la collision de deux convois. Les autorités veulent effacer au plus vite les traces du drame, enterrant les wagons sans dégager les corps ou chercher des survivants. L'affaire fait scandale dans le pays. Le Premier ministre en personne fait le déplacement pour calmer les esprits. Derrière lui,
on peut voir le ministre des Transports. Et c'est cet homme qui attire l'œil de Daniel Wu, ou plutôt ce qu'il porte au poignet. Car en pleine tragédie, le ministre a une montre suisse de luxe. De quoi piquer la curiosité de notre passionné, qui se lance alors dans un projet un peu fou, à travers un blog qu'il a ouvert, blog qui attire rapidement des centaines de milliers de fidèles. L'accident a vraiment été un facteur déclencheur pour moi. Après cela, de nombreux internautes m'ont contacté pour me demander si je pouvais identifier d'autres officiels qui portaient ces montres de luxe. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé d'autres fonctionnaires et leurs montres, du plus élevé jusqu'au plus bas niveau de l'échelle. Au cours de ses recherches, Daniel Wu découvre avec étonnement que les officiels chinois portent quasiment tous des montres suisses. Sur son blog, il dresse une liste des montres et de leurs propriétaires. Tel responsable exhibe ainsi sa montre Cartier à 6500 francs, tandis que tel autre se pavane avec une Rolex à plus de 13 000 francs. Un privilège qui s'étend des plus hauts fonctionnaires de l'État jusqu'aux chefs de parti de province. Les internautes sont choqués et soupçonnent les fonctionnaires incriminés de corruption, car leurs montres représentent souvent plus de 10 fois leur salaire. Même si un fonctionnaire porte une montre qu'il a payée lui-même, même s'il prouve qu'il ne l'a pas reçue comme pot de vin, même s'il s'occupe d'une région où la population est plutôt aisée, les internautes restent en colère. Parce que cela prouve que le niveau de vie des fonctionnaires est très éloigné de celui du peuple. Un blogueur populaire qui dévoile la corruption et les inégalités sociales, c'en est trop pour les autorités. Le blog est rapidement censuré, son auteur menacé par la police. Pour ne pas mettre sa société en péril, Daniel Wu renonce à traquer les fonctionnaires amateurs de montres de luxe, mais son succès a eu tout de même des conséquences inattendues. À cause de mon blog, la plupart des officiels ne portent désormais plus de montres en public. Ou bien ils portent des montres moins chères. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai aussi entendu dire que le ministère du Développement et de la Réforme a ordonné aux fonctionnaires de ne pas porter de montre plus chère qu'une Tissot. Même si Daniel Wu a dû fermer son blog, il n'en reste pas moins un héros aux yeux de nombreux internautes en Chine. Sa démarche originale a même attiré la curiosité de la presse chinoise, pourtant étroitement surveillée par le pouvoir. Nous sommes à Canton, au siège du New Weekly, un magazine très célèbre dans l'Empire du Milieu. Chaque année, sous l'impulsion de Chen Mo, le chroniqueur multimédia, le magazine établit le classement des 10 blogs les plus marquants et les plus influents de l'année. Et dans la liste 2011, on retrouve justement le blog de Daniel Wu et ses révélations. Mais difficile pour un magazine chinois d'afficher ainsi son soutien à un blogueur devenu bête noire des autorités. Alors, chez New Weekly, on préfère prendre ses distances et parler d'un simple phénomène de société, en éludant tout le fond du problème. Il a permis de faire découvrir aux internautes un petit morceau de la culture des officiels chinois. Un petit morceau d'habitude bien caché et très mystérieux. Cela fait partie de la vie de ces personnes. C'est intéressant. Pourquoi les fonctionnaires sont-ils comme cela, accros aux montres? Quelles montres symbolisent quel niveau de pouvoir entre fonctionnaires? Mais pour le soutenir, Daniel Wu peut compter sur ses nombreux fans. C'est ainsi que Lin Fengxi continue à rechercher la vérité sur les montres des fonctionnaires. C'est son amour des montres suisses qui l'a aiguillé vers le blog de Daniel Wu. Admiratif devant le travail de son héros, il a lui aussi déniché quelques perles et établi un classement des montres les plus populaires en fonction du rang de la personne qui les porte. Je sais, par exemple, qu'il y a un seul gouverneur qui porte en public une Patek. Les autres fonctionnaires, plus ordinaires, se contentent, eux, en général, de montres moins prestigieuses, comme les modèles d'entrée de gamme de Tudor ou de Titoni. C'est ce qui leur correspond. Lin Fengxi n'a rien d'un dissident. C'est sa passion pour les montres qui le pousse à défier, à sa manière, les autorités. Mais à force de se retrouver ainsi associé à la corruption et aux inégalités sociales, les montres suisses n'ont-elles pas désormais une image négative auprès du grand public en Chine?
Bien au contraire, à en croire celui par qui le scandale est arrivé. C'est curieux, mais quand les Chinois voient des officiels avec des montres suisses, cela fait grimper les ventes. Car les gens savent que les fonctionnaires aiment ces montres et ils veulent les imiter. Côté horloger, on préfère ne pas se risquer à commenter un sujet sensible, car il serait un peu dommage de se mettre à dos la Chine, qui assure la croissance du secteur d'activité. Aujourd'hui dans le monde, une montre suisse sur deux est vendue à un Chinois.